Je m'appelle Déa, j'ai 19 ans et je viens du lycée français à Casablanca qui s'appelle le lycée Lyautey et je suis actuellement en deuxième année au BBI de l'EDEC. Pendant votre cursus au BBI EDEC, il faudra obligatoirement valider une expérience à l'étranger ainsi que des expériences professionnelles qui passent par les stages. Pour ma part, du coup, j'ai fait mon premier stage de première année à l'étranger, au Maroc. Et j'aimerais partir en troisième année en échange, pourquoi pas en Argentine. On a plusieurs systèmes de notation, enfin plusieurs compétences sur lesquelles nous sommes évalués. Donc on a les écrits qui peuvent être soit sous forme de QCM, soit d'exercices, les oraux à faire individuellement ou en groupe. Et les projets de groupe. Pendant les projets de groupe à l'EDEC, il y en a plusieurs et ça commence justement dès la première année avec le SIP, c'est le Sustainable Impact Project. Et justement, avec par groupe de 4 ou 5, on doit créer une association et ça nous apprend justement à gérer une association et à la comparer avec la gestion d'entreprise. Par rapport à la vie étudiante sur le campus, elle passe principalement par la vie associative. Donc à l'EDEC et notamment sur le campus de Lille, on a une multitude d'associations que vous pouvez rejoindre justement dès la première année et ça va constituer votre groupe d'amis, vous allez manger ensemble, sortir ensemble, travailler ensemble. Pour rejoindre le BBI EDEC, il faut passer par la plateforme Parcoursup. Donc c'est un vœu Parcoursup et il faut chercher sur la barre de recherche EDEC Business School et puis choisir la filière qui vous correspond.